bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Elsa Fayer. Maman. Isabelle Alonso. Claude Sarraute. Gérard Miller. Et Jérémy Michalak. Ça va bien, Gérard? Il y a tellement d'applaudissements que parfois, quand vous dites mon nom, j'ai peur de ne pas l'entendre et de ne pas dire bonjour aux gens. Parce que les... c'est vrai. Non, mais je suis content de vous voir parce que quand vous êtes parti ce matin, je dormais encore. Ouais. Non, alors, écoutez, nous allons préciser... C'est quoi? Non, nous allons préciser les choses. Laurent, très gentiment... Je le savais. Laurent, très gentiment, oui, m'a invité avec ma compagne en week-end. Oui. Nous avons passé un excellent week-end en dormant chez lui. Et lorsque nous allions partir pour venir, oui, le saluer, il dormait sur le canapé. Nous avons passé une demi-heure à nous demander est-ce qu'on le réveille, est-ce qu'on lui dit au revoir. Et finalement, c'est vrai que je suis parti vous laissant endormi. C'est enfin, agréable comme ça de partir sans dire au revoir. Vous dormiez du sommeil du juste. C'est vrai, ah, oui, absolument. Il a amené son perroquet ou pas, non? Ah, c'est vrai ça, comment il va votre perroquet? Il va très bien, j'en ai deux. Comment ça? J'ai deux perroquets. Le premier perroquet que j'avais, c'était un rosalbin, un cacatoès, et j'ai acheté depuis un gris du Gabon, qui est le perroquet qui parle le plus. Ah. Et donc, ah, il dit, il dit Gérard, ta gueule. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de François Bayrou, qui, dans le dernier sondage Le Figaro LCI, s'offrait certain, publié ce matin, confirme sa percée avec 18,5% des voix au premier tour. Troisième, donc, derrière Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et l'argument principal de François Bayrou, vous le savez, pour ce fameux rassemblement des Français, c'est de dire qu'il y a des gens bien à droite et qu'il y a des gens bien à gauche. Et ça, tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des gens bien au centre? Gérard. Il n'a pas tort, mais dans le même temps, les gens bien à gauche ont envie de voter pour les gens bien à gauche. Et de même, j'imagine, à droite. Donc, c'est pas simplement parce qu'à droite et à gauche, il y a des gens bien que pour autant, on va les trahir. Il n'empêche qu'il monte, il monte, il monte. Absolument. Et il fait peur aux deux autres. Mais oui. Mais il fait peur à juste titre, parce qu'à la différence d'un Le Pen qui est un repoussoir, il faut bien dire que Bayrou est quand même quelqu'un de tout à fait sympathique. Claude? Oui, moi je me dis aussi qu'il va, il risque de prendre... Ah, vous êtes en train de changer d'avis, hein? Ah, moi j'ai décidé que je n'avais pas décidé. Ah. Je me déciderai le jour de l'élection. Vous avez décidé que vous n'avez pas décidé. Voilà. Je me donne encore 5 semaines. Je pèse pour le contre. Ça m'amuse quand les gens comme toi disent « je ne sais pas pour qui je vais voter ». Je suis sûr que tu ne vas pas voter pour Le Pen, tu ne vas pas voter pour Laguiller, tu ne vas pas voter pour Beauvais, tu ne vas pas voter pour Besancenot. Donc le choix est entre 3 candidats, les 3 grands candidats, Bayrou, ben, Ségolène et Sarko, c'est ça? Ben oui, mais je dis, il ne faut pas moins de 5 semaines pour me décider. Elsa Fayer. Non, moi, il y a juste une chose qui me dérange chez Bayrou, c'est que son concept, c'est un peu là où la soupe est chaude. Donc, il prend tout ce qu'il y a de bien d'un côté, tout ce qu'il y a de bien. Comment vous dites ça? Là où la soupe est chaude. Vous savez, c'est le vieux dicton. Là où la soupe est chaude, c'est en gros, on prend ce qu'il y a de meilleur des deux côtés et on fait une petite potée sympa. Alors, évidemment, on ne peut rien lui reprocher. Mais à côté de ça, il a un peu le cul entre deux chaises et moi, ça ne me plaît pas. Bon, voilà, dites donc, elle a décidé manifestement. Ouais. Et vous alors, Michalak? Ah, moi, j'attends de le voir au salon de l'agriculture, moi, parce que je pense qu'il va débarquer sur ses 2 tracteurs et là, il va faire mal. Alors justement, merci pour l'enchaînement. On y passe au salon de l'agriculture avec cette photo dans Le Parisien. Regardez aujourd'hui un robot pour traire les vaches, nous dit-on dans ce journal, et un robot qui assure la traite automatiquement sans aucune intervention de l'éleveur. Et mieux encore, on a pu voir samedi au salon de l'agriculture le robot qui caresse les vaches, serre les mains et goûte le saucisson en même temps, en un temps record. Non, mais, sérieusement, revenons au premier robot, parce que là, j'arrive pas à comprendre comment ils font alors. Quand je travaillais dans les campagnes depuis très très longtemps, donc, il y avait évidemment des machines à traire les vaches. C'était d'une... Non, là, c'est une machine qui se met en route automatiquement. Alors, d'après l'article... Il n'y a besoin de personne. D'après l'article, ça donne un petit peu... Il y a un petit compartiment où on donne à manger aux vaches. Donc, les vaches vont se diriger vers la machine. Et une fois que la vache est en train de grignoter, paf, ils traitent la mamelle. Mais comment ils savent trouver les pis? C'est ça qui me... Ah non, mais ça, c'est tout est télécommandé. Ah bah, c'est le progrès. C'est magnifique. Enfin, il ne faut pas que la vache bouge, il faut que... Ah bah la vache, elle va être abandonnée. Dès qu'elle va arriver pour grignoter, tac, le truc va se refermer sur elle. Et hop, mais non, mais non, attends. Ils ne vont plus être obligés de se lever à 4 h du matin, c'est fabuleux quand même pour les éleveurs. Pas comment. Sur ordinateur, ils pourront se baigner, étaler sur une plage aux Seychelles avec leur truc, et de loin, ils manipuleront les...
Moi, je me rappelle une vanne des nuls qui parlait déjà d'une machine, une machine à traire qui était devenue folle au salon de l'agriculture. Elle devient folle, 300 agriculteurs sucés à mort. Revenons au président Chirac, qui était donc au salon de l'agriculture samedi pour l'inauguration. Et comme c'était son dernier, c'était presque aussi émouvant que le retour de Michel Polnareff sur une scène française. D'ailleurs, pour ça que Polnareff a choisi Bercy, parce que même au premier rang, tu peux pas lui caresser les fesses. Mais alors, moi j'y suis allé ce week-end justement au salon de l'agriculture et je tenais à adresser un message rassurant aux téléspectateurs en ce qui concerne les poulets. Alors, il n'y a pas la grippe aviaire, on en est sûr et certain, et on nous garantit également qu'il n'y aura pas de modification génétique des poulets. En voici la preuve, les poulets vont très bien, voilà. Il n'y a rien à craindre. Allez, triomphe donc, vendredi soir pour Michel Polnareff à Bercy. Et oui, et il n'a pas changé, Michel Polnareff. Il faut dire qu'après 34 ans d'absence, certains ne l'avaient jamais vu avant. Alors forcément, à noter une petite déception quand même parmi tous ses grands succès. Il ne chante ni Lucie, ni L'importance est d'aimer. En tout cas, vendredi soir, parmi les invités, on pouvait noter la présence du Premier ministre, M. Dominique de Villepin. Et il voulait savoir ce que ça faisait si après un exil, on pouvait revenir après 34 ans. Je parle sous le contrôle de Claude qui a suivi les variétés pendant des années au monde. Est-ce qu'il y a un seul exemple d'une absence de 34 ans et d'un retour aussi triomphal? Je n'en vois pas dans tout le siècle passé. Absolument, tu as raison. C'est spectaculaire. Votre chanson préférée de Michel Polnareff, Claude, c'est... Qu'est-ce que tu as dit, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'était des chansons de Pascal Obispo. Elle n'a rien compris. Claude, et dans la maison vide, vous connaissez pas? Dans la maison vide, ta. Oui, j'ai sûrement très très bien connu, mais j'ai oublié, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai tellement et vécu... Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent... Ça, c'est pas lui. Mais si, enfin! Il la chante en plus à Bercy, celle-là. Claude, bien sûr, comme Alexandrie Alexandra, c'était la même... Alors là, non, là c'est... Gérard Philippe... Méchant! C'était Claude. On est mal barré là. C'est lui qui s'est jeudi, c'était Claude François. Quoi? Ça suffit, Laurent Romeschko, c'est bon. Allez, une autre photo. Celle de Paul Le Guen, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, humilié 2-0 à Sedan. Un PSG relégable, titrait le Parisien dès hier dimanche. Dans la zone rouge, titrait ce matin le journal gratuit 20 minutes. Et François prévenait aussi, Paris, ça sent le sapin. Bref, pour le journal sportif L'Équipe, Paris est en état d'alerte. En même temps, descendre de la Ligue 1 en Ligue 2, c'est pas non plus irréversible, ça pourrait arriver. Ils peuvent aussi passer une saison en L2 et remonter l'année d'après en L1. Le pire, c'est quand t'es en L5. Là, t'as du succès pendant un an et après, on parle plus de toi du tout. Gérard. Je parle sous votre contrôle cette fois. Lorsqu'on est en Ligue 2, on a l'espoir de passer en Ligue 1. Pour passer en Ligue 1, il faut forcément qu'il y en ait un qui sorte, oui, automatiquement, oui, chaque année. Oui. Pourquoi ce serait pas le PSG? Quelle serait l'offense à ce qu'il y ait quelqu'un relégué? Parce que c'est un des clubs les plus riches du championnat, Gérard. Et puis qu'en plus, je vous signale que c'est le club de la capitale de France. Vous voyez qu'on serait un des rares pays à ne pas avoir un club de la capitale en L1, ah, oui, en Ligue 1. Vous voyez? Non, mais vous avez raison, Madrid, l'équipe de Madrid s'appelle le Real Madrid, le Royal Madrid, alors que pour Paris, PSG, ça veut dire Paris super galère, c'est ça? Un peu. Ouais. Mais tu fais bien dire, ils vont changer. Tu sais, le stade où ils jouent, c'est le Parc des Princes. Quand ils vont aller à L2, ça sera le Parc des Brels. C'est terrible pour les actionnaires, c'est terrible bien sûr pour l'entraîneur, pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Et on en a parlé partout dans la presse, et même dans la presse People, dans Voici et dans Public. On a des images d'un supporter qui était tellement vénère, un hooligan à la tête rasée, qu'il a pété son parapluie, regardez. Ah, ouais. Ah non, c'est Britney Spears, pardon, excusez-moi. Bah justement, tiens, terminons par la violence dans les stades. Il y a eu de sérieux incidents ce week-end qui ont marqué le déroulement des matchs Saint-Étienne-Lyon et aussi Sedan-Paris-Saint-Germain. Un week-end inquiétant, rappelait le journal L'Équipe ce matin. Et particulièrement à Saint-Étienne, après des jets de fumigène contre les supporters et même entre supporters, les forces de l'ordre ont dû utiliser, après les feux de fumigène, des gaz lacrymogènes. Moi, je dis, on devrait faire lancer les fumigènes dès le départ par les CRS. Comme ça, on gagnerait du temps, au moins, franchement. Claude,
Ben moi, ça, je voudrais bien vous m'expliquer qu'est-ce que les Hollandais sont venus faire. Où est-ce qu'ils sont venus, les Hollandais? Vous avez raison. À Sedan, pour le match Sedan-Paris Saint-Germain, ce sont des supporters néerlandais qui sont venus attaquer les supporters parisiens. Et pourquoi? Parce qu'il y a des guerres comme ça à travers l'Europe entre clubs de hooligans, clubs de supporters. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller à la porte de Versailles pour voir des bœufs. C'est Jean-François Props qui va maintenant nous rejoindre. L'ancien homme de l'ombre du RPR, qui fut l'un des proches collaborateurs de Jacques Chirac à Matignon, ainsi que l'un de ses meilleurs imitateurs, paraît-il, mais également le bras droit de Jérôme Monod, de Charles Pasqua, de Michel Alliot-Marie ou encore de Jean Tiberi. Officiellement chargé de la com, la communication de ses patrons, il fut entre autres chargé de torpiller la campagne d'Édouard Balladur en 95. Il le raconte en partie dans ce livre, ce qu'il a réussi d'ailleurs à l'époque avec brio. Aujourd'hui libre, indépendant, Jean-François Probst fait le bilan de ses 30 années au service de Jacques Chirac et ses amis, dans cet ouvrage intitulé « Chirac, mon ami de 30 ans », une expression devenue légendaire. Le livre est publié chez De Noël. Pour en parler ensemble, accueillons M. Jean-François Probst. Bonjour, bienvenue. Merci de votre accueil. Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs à part écrire en quelque sorte ses souvenirs quand on a été si longtemps conseiller des uns et des autres et qu'on ne l'est plus? On travaille beaucoup en Afrique où je m'occupe de santé et d'éducation. J'ai également une petite participation dans un journal satirique qui s'appelle Bakchiche.info, qui est une sorte de canard enchaîné consacré au Maghreb et à l'Afrique noire. Et qui Bakchiche.info. Dit... Bakchiche.info, qui est un journal fait par beaucoup de jeunes gens. Qui envoie des scoops par Internet. Bakchiche est très, très, très lu par la jeune génération africaine, comme Grigri International, pareil. Voilà. Grigri International. Oui, c'est une sorte de canard enchaîné aussi, africain. Et ça fait beaucoup de bien à la démocratie africaine parce que c'est la diaspora, celle qui est en dehors de l'Afrique, qui amène la culture de la transparence au pays. Là. Sur Internet, il peut y avoir des rumeurs totalement infondées. Alors ça c'est dangereux, mais de même qu'il peut y avoir de la censure en France quand on empêche un livre d'être bien diffusé, ou lorsque on propage des rumeurs. Mais bon, moi ça fait 30 ans, 32 ans exactement, depuis 1974, que j'ai commencé à travailler avec Jacques Chirac, j'ai connu toutes ces périodes. Monsieur Grossouf qui se suicide à l'Élysée sous Monsieur Mitterrand, Monsieur Bérégovoy malheureusement aussi, peu après avoir quitté le gouvernement. Est-ce que je pourrais te faire une remarque, mon petit garçon, parce que tu pourrais être mon fils. Écoute-moi bien. Ma chère demoiselle, avec grand plaisir. Je n'ai pas compris ton livre. Je me suis régalée, naturellement. C'est une attaque au vitriol contre Chirac. Et moi, j'adore les pamphlets, j'adore tout ça. Je suis sûre que tout ce que tu racontes est vrai. Et ça a été ramassé, on savait un peu tout déjà. C'est très, très bien. Seulement, c'est épouvantable, il n'en réchappe pas. Et à la fin, tu dis, s'il vous plaît, Monsieur le Président, représentez-vous, on vous aime, on vous adore. Ah oui. Non, ça, c'était de l'ironie au second degré. Au 14e degré, Non, mais attendez, voyons voir. Il faut quand même regarder un petit peu... Il faut quand même regarder un petit peu ce que l'on a le droit d'écrire dans ce pays... Ce qui nous permet aussi, à certains moments, d'être ou ironique ou sarcastique. T'es faux d'herche. Pourquoi tu lui casses la gueule? Pas du tout, puisque à la fin, je dis attention à la surprise, parce que je suis comme vous. Je crains que nous ayons de mauvaises surprises au second tour des élections. Isabelle Alonso. Oui, je trouve, moi, le mot faux d'air, je ne me serais même pas passé par la tête. Dites donc, vous y allez carrément, quoi. Je veux dire ça donne de la politique une image à côté de laquelle les médias, le showbiz et tout, c'est les bisounours. Hein. C'est d'une cruauté, d'une méchanceté incroyable. Je sais bien que votre titre est plein d'ironie, mais c'est vrai qu'avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. C'est un clin d'œil à Édouard Balladur. Alors, il y a plein de choses très intéressantes, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous dire, vous nous racontez comment Chirac a favorisé l'élection de Mitterrand. Est-ce que vous pensez, et vous dites, vous le soupçonnez aujourd'hui de vouloir favoriser l'élection de Ségolène Royal? Alors, vous pensez qu'il va le faire, et si oui, comment il va s'y prendre? Au fond, Chirac, je l'exprime dans un chapitre, il aime bien les femmes qui ont du chien. Par conséquent, Marie-Ségolène Royal de Villepinte n'est peut-être pas faite pour lui déplaire. Deuxièmement... Comment vous l'avez appelée? Marie-Ségolène, puisque c'est son prénom, Marie-Ségolène. Ça sera sur les bulletins de vote. Oui, oui. De Villepinte, puisque c'est tout de même le discours fondateur de Dame Royale. Et probablement... que Jacques Chirac, comme je tente de l'expliquer dans Chirac, mon ami de 30 ans, quand il évacue, ou quand il tue, entre guillemets... Vous dites qu'il tue la nuit
à plusieurs, dans le dos, et en plus, il fait semblant qu'il n'était pas là, quoi. Vous faites un portrait vraiment lourd. Je dis que François Mitterrand était Machiavel et qu'effectivement, de mon point de vue, Chirac, c'est plutôt Borgia, oui. Alors, Gérard. Ma question est la suivante. De toutes les turpitudes que vous dénoncez, de toutes les horreurs auxquelles vous avez participé, laquelle pèse le plus lourd sur votre conscience? Non, Gérard. La séance de psy a commencé là. Gérard, non mais Gérard Miller a raison. De temps en temps, il faut aller sur le divan et se regarder soi-même. Mais c'est ce que je fais dans ce livre. Quand les gens découvriront un certain nombre de turpitudes qui ont été les nôtres, comme au même moment d'ailleurs, elles pouvaient être celles d'autres partis politiques. Par exemple, quand on parle des frais de bouche. Des vôtres, restons sur les vôtres. Bon, les nôtres, les miennes, personnelles, puisque je les assume. Et je prends la responsabilité collective de toutes. Les frais de bouche, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup mangé. Mais théoriquement, il fallait pas le faire. Soyez précis, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que sont les frais de bouche. C'est-à-dire, à la mairie de Paris, vous dépensiez combien l'argent des contribuables? Combien, à peu près par jour, soi-disant, pour nourrir la maison? Le rapport de l'inspection générale de la ville de Paris, je me permets de le donner, puisque dans ces périodes-là, j'ai fini comme directeur général de l'information et de la communication de la ville. Combien? Il n'y a pas eu... Rappelez la somme, simplement. Moi, je pars toujours en ancien franc, hein, comme les petits Bezos du Havre. 1,4 milliard. Voilà. De frais de bouche, c'est-à-dire de repas, de boissons, de fromage, 1 milliard. Voilà. D'anciens francs. Oui, oui, il a dit qu'il parlait en ancien franc. Nous arrivions après un général de Gaulle qui a été un homme de sobriété et d'intégrité. Et il y a eu des glissades successives dans les différents régimes de Giscard, de Mitterrand et de Chirac. Et pendant cette période, la Cour des comptes, les gens qui doivent punir ou mettre une contravention, ils se contentent de vous arrêter, vous et moi, sur les Champs-Élysées parce que vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité. Isabelle Alonso. Vous avez des formules assez rigolotes. Vous dites aussi que Séguin est un Pavarotti grognon. Je trouve ça assez bien vu. Et alors, vous êtes très rancunier vis-à-vis de Michèle Alliot-Marie. Elle vous a fait des misères, elle aussi. Vous pouvez nous raconter? Oui, je trouve que lorsqu'on contribue fortement à l'élection d'une présidente d'un grand parti politique, et je l'ai fait, ça, je ne le regrette pas, je pense que par la suite, on peut avoir des comportements politiques et humains différents. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est à Mme Alonso que je le dis, les femmes ne sont pas toujours les meilleures. Vous racontez Mme Chirac, Bernadette, donc aussi est arrivée pleurant dans la nuit chez les Tibéri. Oui, ça c'est une anecdote que Jean et Xavier Tibéri m'ont racontée. J'ai hésité à l'écrire dans ce livre, mais j'ai trouvé que c'était assez touchant parce que il ne suffit pas d'aller chez Michel Drucker et de dire « tout a été pour le mieux dans le meilleur des mondes, on s'est toujours aimé, on a été le couple que les Françaises et les Français adorent ». Alors, je pense que les Chirac, comme tout couple d'hommes et de femmes à la tête de l'État, ont leurs soucis et leur jardin privé à préserver. Mais il y a eu des grands moments. Et celui-là me paraissait être, vis-à-vis de Mme Chirac, un petit geste pour montrer qu'elle a du cran, du courage, et qu'elle a supporté ce gaillard qui est tout de même une sorte d'adolescent prolongé, avec beaucoup de bonheur et de générosité et beaucoup de patience. Elsa Fayer. Alors, je trouve votre démarche absolument odieuse. Je dois bien dire qu'au fil des pages, je me disais, mais mon Dieu, pourvu que je ne croise jamais un ami pareil dans ma vie, parce que être dans le système comme ça et en sortir pour aller tout dévoiler, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous dénoncez pas les choses quand vous êtes dans le système, finalement? Mais on n'a pas arrêté de le faire. Je n'ai pas cessé de le faire. Vous parlez de coffres forts, bourrés d'argent, qui sont impossibles à fermer tellement les billets de 500 francs sortent comme si c'était insupportable. Est-ce que vous préféreriez que je dise on n'avait pas d'argent, on était de pauvres gens? Est-ce que vous préféreriez faire croire aux Français, comme le font beaucoup de journalistes malheureusement, que tout va pour le mieux dans le meilleur du monde? Circuler, mesdames, messieurs, il n'y a plus rien à voir. De temps en temps, quand on cherche à écrire un peu d'histoire, quand on raconte des anecdotes, il faut quand même dire des petites vérités. Mais il est un j'espère. Peu tard, mais est-ce que c'est quand même... Prouvez ce que c'est vous fini. Dites, apportez le pognon et on verra. Jérémy Michalak. Alors moi, j'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. Alors je ne sais pas si Monsieur Props a les mains sales ou pas, ça c'est une autre question. En revanche, une chose est sûre, c'est que vous avez énormément travaillé pour Jacques Chirac. Donc ça déjà, ce n'était pas un emploi fictif. Et l'opération dont vous parlez, qui est absolument sublime, c'est le torpillage de la campagne d'Edouard Balladur. Est-ce que, en deux, trois mots, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec cette affaire d'autostop qui est redoutable? J'apprends qu'il y aurait dans l'état-major du candidat Premier ministre Édouard Balladur une opération tendant à le rendre populaire de façon à ce qu'on le voit faire de l'autostop. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'ils font?
Sir Edward se rend effectivement dans le Midi et dans l'hélicoptère où il y aurait dû y avoir autour beaucoup de brouillard, ce jour-là il n'y en avait pas trop, il prétexte un naufrage d'hélicoptère, un atterrissage forcé parce qu'il n'y a plus de visibilité, et le Premier ministre de la France, en costume tweed ou cachemire chabé, fait du stop sur le bord d'une route. Et comme par hasard, une Mercedes avec une dame charmante, deux chiens, un labrador et un autre chien de haute race, prennent à croupeton, si je puis dire, Monsieur Balladur, et il arrive enfin à l'heure, avec un peu de retard, je vous demande de m'excuser, devant les journalistes à qui il dit « j'étais obligé de faire de l'autostop parce qu'une panne inopinée, etc. » Bon, il se fait que j'étais celui qui a été dépositaire de l'information avant. Et j'ai voulu voir si vraiment ils allaient le faire, vraiment. Et ensuite, comme vous savez, dans ce pays, il y a des services spéciaux en tout genre, je me suis procuré la bande d'écoute où le pilote de l'hélicoptère disait au Pandore en bas dans la camionnette bleue avec objectif en vue, jonction faite, opération peut commencer. Et Balladur a dit à la conductrice, je vous demande de vous arrêter. Lorsque effectivement Sir Edward a prié à la dame de s'arrêter, il savait déjà une autre chose qui était tout de même un peu grotesque et qui a rendu le personnage grotesque, c'est que la fameuse conductrice était la cousine de son conseiller parlementaire Georges Tron, actuel député de l'Essonne, et nous avons décidé, avec le grand chef de toutes les armées, de distiller ça, pas tout de suite, mais un petit peu, pour montrer que quand même, quand on veut être président de la République, il faut se méfier de ne pas jouer avec des turlupinades de cette façon. Et c'est vrai que dans mon livre, en le racontant, je continue à rendre M. Balladur légèrement grotesque. Maman. Sur les frais de bouche à la mairie de Paris, je confirme, j'avais mon cousin Mamadou qui était balayeur à la mairie de Paris. Pour son sandwich, on lui donnait 500 francs, CFA. Et pour l'anecdote où Bernadette Chirac a tapé à la porte de Tibéri la nuit, ce que vous ne révélez pas, c'est que Xavier Tibéri lui a dit « Non, pas ce soir, j'ai un rapport à rédiger. » Bon, si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle « Chirac, mon ami de 30 ans ». C'est dans certaines librairies, pas dans toutes. Pas encore, mais ça va venir, j'espère. Allez, merci, monsieur le prof. Merci de votre accueil. Accueillons maintenant Eliette Abécassis et Caroline Bongrand, deux brillantes femmes de lettres qui cumulent à elles seules plus de 15 romans, parmi lesquels La Répudiée, pour l'une, ou L'Enfant de Bosphore, pour l'autre, j'en ai pris deux comme ça parmi tous. Et elles publient ensemble, cette fois, Le Corset Invisible chez Albin Michel, un ouvrage dans lequel ces deux femmes font un bilan de la condition féminine dans nos sociétés modernes. Bilan, selon elles, on ne peut pas dire vraiment très positif, dans la mesure où elles expliquent qu'en voulant se libérer, les femmes se retrouvent aujourd'hui finalement esclavagisées, c'est leur terme, pour parler ensemble de ce corset invisible à quelques jours de la Journée internationale de la femme. Accueillons Eliette Abécassis et Caroline Bongrand. Bonsoir. Pardon, bonsoir, bienvenue. Un joli titre d'ailleurs pour ce livre, bien trouvé, parce que certes les femmes ne portent plus de corset depuis quelques décennies maintenant, mais selon vous, elles portent encore un corset invisible maintenant. C'est-à-dire que, alors qu'on la croit de plus en plus libérée, vous pensez-vous qu'au contraire, cette libération de la femme les aliène encore plus, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On pense que effectivement, il faut faire maintenant un bilan de la condition féminine et on s'est penché sur les femmes. En fait, on a fait une enquête, on a interviewé beaucoup, beaucoup de femmes, on a fait des rencontres de femmes. On s'est aperçu que les femmes sont dans un grand malaise aujourd'hui, qu'elles sont épuisées par les tâches ménagères. Là, il y a une grande enquête emploi du temps dans la documentation française qui a montré que les femmes assurent à 80% les tâches parentales et ménagères. Donc, elles travaillent, mais elles s'occupent tout autant de leur foyer et de leurs enfants. Elles sont dans un corset parce qu'elles n'ont pas le droit, dans notre société, on n'a pas le droit de vieillir, d'avoir une ride, c'est une catastrophe. Il faut plus se montrer, de grossir. Il faut être en régime permanent, on n'a pas le droit de dépasser 55 kilos, et ça commence dès la plus tendre enfance, parce que des études ont montré qu'à partir de l'âge de 6 ans, des petites filles s'inquiètent de leur silhouette, et aussi que, par exemple, quand une femme feuillette un magazine féminin, son estime de soi chute de 80%,
Et toutes ces pressions font que les femmes ont peur, les femmes ont peur de ne jamais être parfaites, ça n'est jamais assez bien, elles ne sont jamais assez belles. Franchement, non ? C'est mieux qu'avant sur un certain nombre de plans, effectivement, mais les femmes sont prises en mais fait. Mais c'est dans, pas l'angle que vous avez décidé de prendre. Non, c'est pas ça. C'est pas une question d'angle. C'est qu'on a, on a interviewé des centaines de femmes et toutes ont dit la même chose. Toutes sont dans un malaise. Elles se sentent incomprises. Elles ne se sentent pas écoutées. Elles ne se sentent pas valorisées. La femme qui travaille, court ses trajets, ses enfants, il faut qu'elle soit efficace à son travail. Il faut qu'elle soit belle et séduisante le soir pour son mari, qu'elle donne le maximum, elle veut donner le maximum à ses enfants. Elle n'a finalement plus d'espace à soi, de temps pour elle. Les femmes s'épuisent. Je vous donne la parole dans un instant parce que Claude n'a pas l'air de comprendre, justement. Vous faites continuellement des amalgames. Par exemple, la mère au foyer et la mère au travail, quand c'est la même, on comprend que la mère, l'une et l'autre, soient stressées. Mais vous faites un dégagement, vous ne parlez plus que de la mère au foyer, vous la rapprochez de la mère de la femme sur le trottoir. Vous dites qu'elles sont toutes les deux burned out, c'est-à-dire qu'elles sont stressées au point. Alors tout de même, mes chéries, la mère au foyer, j'ai rien contre, je suis en totale admiration. Enfin, ne me dites pas que quand elles sont sorties des langes, elles ont des journées infernales. Elles mettent les enfants à l'école, mais elles les mettent à la cantine, elles ont des temps jamais, de repos. Elles ne sont jamais valorisées. Tout ce qu'elles font, et dès le matin tôt jusqu'au soir tard, elles font des choses pour leur famille, et on considère que c'est normal, et on ne les félicite jamais. On considère que c'est normal. D'accord, mon chéri. Elles sont culpabilisées, elles ne sont pas valorisées, justement parce que les femmes travaillent et que justement parce que toutes les femmes travaillent, tout à coup une femme qui ne travaille pas est considérée comme bébé, une femme qui ne fait rien. On n'est pas sous un régime totalitaire. Quand elles veulent travailler, grâce à Dieu maintenant, et merci les féministes, elles peuvent travailler. Elles peuvent travailler à condition qu'il y ait des crèches pour garder leurs enfants, à condition que l'école soit pas ici, la crèche là, la garderie ailleurs. Vous ne laissez pas faire, parlez-vous aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent travailler, mais le problème, c'est qu'elles ont le double emploi, voire le triple emploi. Elles travaillent dehors, elles travaillent au foyer. Les tâches ménagères sont faites. Personne. Le mari paye ça parce que le couple part en déliquescence, parce qu'à la fin de la journée, elles sont épuisées, elles n'ont plus de temps. C'est pas qu'elles n'aiment pas l'homme de leur vie, mais elles n'ont plus de temps, elles n'en peuvent plus à 10h du soir. Mais comment elles vont faire à l'Élysée, alors? Elsa Fayer. Oui. Elsa. Donnez la parole aux femmes, hein, d'abord. J'ai trouvé honnêtement qu'il y avait vous soulevez certains points qui sont vrais. Bon, la femme dépassée, la femme débordée. Alors, bien sûr, il y a des choses qui m'ont amusée dans votre livre. Si on doit parler encore de la femme qui allie carrière professionnelle, femme au foyer, elle fait les courses, elle attend le mari, elle prépare à manger, parce que l'homme est quasi inexistant dans la femme que vous décrivez. Elle assume tous les rôles toute seule, sans être jamais valorisée. Mais à côté de ça, vous allez sur une espèce de petite image qui est la pince à cheveux. Alors ça, je me suis beaucoup amusée en lisant ce petit détail. Vous dites que la femme qui le soir accueille son mari avec une pince à cheveux, vous voyez ce que c'est, Laurence ? C'est une espèce de truc qu'on met grossièrement le jour où on n'a pas forcément envie de plaire. Et là, vous dites que c'est quasiment la fin du couple. Donc moi, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je prends une douche et je mets ma pince à cheveux. Ouais. Est-ce que vous pensez que je suis en danger ? Oui. Oui, elle me dit oui, en plus. Non, mais c'est un peu grossier quand même, vous avouez. Isabelle, allons-y, je reviens après à vous, Elsa. Isabelle. Alors, Laurent, vous êtes dur avec moi. Il y en a un par semaine maintenant, alors, de bouquins dans le genre. Alors, vous êtes deux auteurs et votre livre est double, en fait. Et d'ailleurs, la couverture elle-même est double. Et je dirais que tant qu'on est dans la description le corset invisible, votre description est assez juste. Vous décrivez des choses que nous toutes nous connaissons et beaucoup de nos compagnons connaissent aussi. Donc ça, je ne peux pas dire le contraire, même si c'est un petit peu pessimiste quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont plutôt mieux. Il n'en reste pas moins que ce corset invisible existe. Maintenant, là où je trouve votre livre carrément malhonnête, mais vraiment profondément limite dangereux, c'est quand vous dites « manifeste pour une nouvelle femme française ». Parce que finalement, dans tout ça, d'abord, c'est encore la femme qui devrait se changer et pas la société dans laquelle elle vit. Et puis surtout, les grandes accusées dans tout ça, finalement, c'est toujours, excusez-moi du peu, ça ne change pas depuis un certain nombre de publications, c'est un tsunami de publications antiféministes depuis un an, même depuis un peu plus. C'est la faute à qui tout ça ? Mais voyons, mais aux féministes, bien sûr. Alors, je vous lis les chapitres. Le féminisme s'est construit contre. Le féminisme a nié la psychanalyse. Le féminisme s'est construit contre l'homme.
Et le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer en étant contre. Il faut avancer main dans la main. Et quand l'homme... Si vous permettez que je continue, et après vous me répondez sans aucun problème. Le féminisme s'est construit contre l'homme, vous dites, je trouve que ce n'est pas vrai, et vous dites aussi contre le patriarcat, contre l'ordre établi. C'est-à-dire que vous dites l'homme, le patriarcat, l'ordre établi, vous mettez ça dans le même panier. Eh bien, pas moi. Et moi, je suis féministe, vraiment. Bref, les coupables de cet état de fait, ce n'est pas les violeurs, les frappeurs, les proxénètes, les exploiteurs de tout poil, ceux qui sont les coupables directs de la violence contre les femmes que nous vivons toutes à un moment ou à un autre. Non, c'est qui? C'est les féministes. C'est un petit peu comme vous avez la fièvre, vous accusez le thermomètre, il y a des accidents de la route, on accuse les feux rouges. Mais ça, ça a l'air comme ça, pas grave, mais c'est très grave parce que ça délégitime les seules femmes qui essayent de faire quelque chose. Et je trouve qu'on fait jouer aujourd'hui, et c'est très grave, on fait jouer aujourd'hui aux féministes le rôle qu'on a fait jouer aux juifs dans la presse des années 30, à savoir le bouc émissaire. C'est, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est leur faute. Et je trouve ça malhonnête et dangereux, et c'est pour ça que votre livre me choque. On a compris. Vous allez laisser votre petite camarade parler aussi de temps en temps, ce serait gentil. Mais avec plaisir, alors, vas-y. Et il y a ta Bécassis d'abord. Elle est assez macho quand même. Hein. Si vous héritez de femmes. D'abord, Eliette. On pense que le féminisme a établi des acquis fondamentaux pour la femme, mais a eu des effets pervers qui ont projeté la femme dans une aliénation terrible parce qu'elle est intériorisée aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme a intériorisé sa propre aliénation. C'est-à-dire que toutes les femmes pensent qu'elles doivent faire des régimes, qu'elles doivent être minces, qu'elles ne doivent absolument pas avoir de cellulite. Donc il y a eu cette guerre qui est menée en permanence contre la cellulite. On a fait une enquête qui montre que la cellulite a été... Dire qu'il fallait faire la guerre à la cellulite? C'est pas la faute des féministes, c'est la faute du patriarcat qui résiste. C'est un vieux système vermoulu, il résiste toutes ses forces. Mais n'accusez pas les... C'est pas la faute du patriarcat, le féminisme a calqué les valeurs de la femme sur un modèle qui était l'homme. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est qu'elles voudraient être comme des hommes. Elles ont libéré la femme en disant « soyons comme des hommes ». Et nous, en fait, on voudrait libérer la femme par sa féminité, en privilégiant ce qu'elle a de propre. C'est comme ça que la femme va être vraiment épanouie. Et la femme est différente de l'homme. La femme porte des enfants. C'est vrai qu'elle les ait ou pas, c'est quelque chose qu'elle a en elle qui la différencie de l'homme. Donc quand on veut libérer la femme, il faut prendre en compte sa différence. La parole est aux hommes, Pascal Amard. Gérard Miller. Gérard, d'abord. C'est moi qui... C'est moi qui décide ici. Ah, retenez le nom, Caroline Bongrand. Caroline Bongrand. Laissez la parole aux hommes de temps en temps. Gérard. Je crois qu'il faut voir que ce livre est à la fois salutaire et injuste. Et sans doute ne pouvait-il être salutaire qu'en étant injuste. Je m'explique, il dénonce toute une série de soumissions, de maîtrises absolument incontestables. Et il ne peut vraisemblablement les dénoncer qu'en se séparant, se singularisant des combats qui ont été jusque-là menés par les femmes. C'est-à-dire en reprochant à la fois aux maîtres et à ceux qui les ont combattus dans les générations précédentes. Je crois que c'était nécessaire pour vous de montrer d'une certaine façon tout ce qu'avait raté aussi le mouvement féministe. On n'est pas contre le féminisme. On pense que le féminisme a fait un super bon boulot, mais que malheureusement, il y a eu des conséquences malheureuses. Voilà ce qu'on pense. Maman. D'abord, le titre, je croyais que c'était un livre sur Ivan Colonna, Le corset invisible. Non, c'est pas Le corset est invisible, c'est Le corset invisible. Jérémy. Vous dites à un moment donné que le féminisme a confisqué à l'homme son phallus. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il y a des garçons qui portent des polos roses? Comme Jérémy Maman, Gérard et moi, nous nous sentions en minorité sur ce plateau. Je crois qu'il est temps d'appeler Jérôme Bonaldi. On va changer de conversation, vous êtes au courant de la bonne nouvelle? Les beaux jours reviennent. On va pouvoir enfin s'occuper de notre jardin, de nos vergers, de nos arbres fruitiers ou pas fruitiers. Jérémy, vous allez faire l'arbre. Ah, très bien, ça sera alors, un grand arbre. Ça sera un bonsaï dans ces cas-là. Non, si vous montez l'arbre sur la table. Là, debout, ici, oui, debout sur la table. Voilà. Super. Et je fais l'arbre. Alors, le premier truc, c'est ça. Non, n'ayez pas peur. Ça existe depuis l'éternité. Il y a une grande différence. Prenez-le. Vous avez vu la légèreté? Vous ne voulez pas leur faire faire le jardinage en plus? Vous êtes prêtes? Regardez. D'un seul coup... Allez-y, coupez-lui une branche. Vous en rêvez depuis longtemps. Alors, attention. Mais si... Ah bon? Je rappelle que j'ai déjà perdu mon phallus, donc une deuxième fois, ça sera pas...
C'est non, bon, cire. Prenez une petite broche à côté. J'en ai besoin pour lui faire des bêtises. C'est qui ressemble à mon doigt. Voilà, c'est ça. Vu la facilité. Bravo. Vous auriez pu le faire avec deux. Alors, imaginez maintenant. Attendez, vous allez faire mieux maintenant. Juste là-bas, très loin, très loin. Oh là là, mon Dieu, les grosses branches. C'est le premier arbre avec des auréoles sous les bras. Voici un échelinoir. C'est le premier. Comment ça marche? Vous l'avez là. Et maintenant, vous tirez. Vous tirez. Et moi, je tiens. Vous tirez. Allez-y, tirez. Hop. Et voilà, c'est coupé. Ah oui. C'est bien, hein. Il n'y a pas que le féminisme dans la vie. Les femmes savent tout faire. Il y a également le football. Et pour nous, les hommes, il y a un truc formidable. Regardez, toujours prêt, avec... Et vous avez comme ça toutes les bouteilles de bière sans alcool à portée de la main. Le match peut durer très 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 longtemps. Ça n'a aucune espèce importante. Les bières avec alcool, ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors, il y a autre chose qui marche également. Je vais vous faire un petit cours de physique. Comment faire pour vider une bouteille très vite? Oui. Le premier truc, on la... C'est hop, comme ça. Voilà. Non, pas exactement comme on ça. Fait, comme on côté. Fait... Non, comme ça, ça on fait une spirale à l'intérieur, hop, l'air rentre plus facilement, l'eau sort sur le côté. Oui. Ça, c'est très utile pour les championnats de buveurs de bière sans alcool. Heureusement est arrivé un objet indispensable, ça. C'est quoi? Regardez, vous allez comprendre tout de suite comment ça marche. Vous avez ici, tac, et normalement, je vais vous prendre une bouteille témoin et une bouteille avec mon petit truc. Vous le mettez comme ceci, pouf. Ça va avoir beaucoup de succès auprès des supporters voilà, du PSG, ça. Une bouteille normale d'un buveur de bière sans alcool nul et un buveur avec le système. Regardez, un, deux, hop. Regardez. Ah ouais. Oui, mais c'est de la triche. Top. Une seconde, deux secondes, trois secondes, quatre c'est secondes, gavage, cinq secondes de gagner. Gérard, regardez, même Gérard qui est souvent votre meilleur complice là. Je suis depuis le début enthousiaste de toutes les découvertes, mais celle-là, je elle n'arrive est... pas. Celle-là, elle est vraiment totalement inutile. Ah oui. Je crois que vraiment, là, elle est vraiment totalement inutile. Simplement, elle m'a permis de vous faire un petit cours. Simplement, vous avez vu le système, l'eau, elle sort par l'extérieur c'est et l'air qui va remplacer l'eau à l'intérieur, elle sort ici par le petit tuyau. C'est un petit cours de physique. Je vous dis merci, Jérôme Bonnemort. Jérémy, pour terminer. Oh oui, on peut terminer sur quelque chose d'horrible. On a bien compris avec votre livre que la condition de la femme avait bel et bien changé. En revanche, s'il y a quelque chose qui n'a pas vraiment changé, c'est la condition de la femme des supporters de foot. Et c'est bien triste, regardez. C'est comme une odeur bizarre qui vient dans le salon et je pense qu'elle va trouver d'où ça vient. C'est très bien, c'est horrible. Ah bah oui, ça va là. Le corset invisible chez Albin Michel, manifeste pour une nouvelle femme française. C'est signé Eliette Abécassis et Caroline Bongrand. Merci à toutes les deux. Dans les années 60, sa mère lui avait gentiment demandé d'aller se faire couper les cheveux. Il lui avait répondu « Dans 20 ans, si tu veux ». 30 ans ont largement passé et il n'a rien coupé du tout ces dernières décennies. Il a même fait beaucoup de bateaux en chemise à fleurs dans les îles. On a souvent ramené des vidéos. Il vante aussi de temps en temps les mérites d'une marque de lunettes. Vous aurez déjà reconnu le chanteur Antoine. Ce soir, Antoine vient nous présenter « Oh yeah !» un ouvrage dans lequel il nous raconte sa jeunesse et ses élucubrations depuis les années 60-70. Pour en parler ensemble, accueillons tout de suite Antoine ! Ah, ils sont pas mal, c'est vrai. Ah, ils sont pas mal. Alors, oh yeah, évidemment, le titre de, on va dire, ses mémoires, ses souvenirs. Vous préférez mettre souvenirs, d'ailleurs, que mémoire. Ouais, mémoire, ça fait un peu invalide. Hein. D'autant que ce ne sont pas, pour l'instant, tous les souvenirs de votre vie, mais uniquement ceux qui vont jusqu'en 1974. Oui, jusqu'à mon départ en bateau. C'est voilà. Tout ce qui m'a amené un jour à partir en bateau, à choisir de partir. C'est toute l'enfance, depuis mon enfance voyageuse, les années sur la route au temps des routards, au temps des années 60, et puis la folie du show business. Voilà, quoi. Les aventures du show business. Les années yé-yé. La guerre des idoles et toutes ces les aventures-là. Les années yé-yé. Oh yeah. Gérard Miller, Antoine, pour vous. Écoutez, moi, je suis ravi de le rencontrer. Je ne le connais pas personnellement. Et je ne vois pas comment on peut ne pas l'aimer. C'est-à-dire que non seulement il a, pour ceux de ma génération, été un moment de plaisir absolu, parce que c'est vrai que les chansons
qu'il a illustré dans les années fin 60, début 70, c'était génial. Et en plus, depuis, c'est l'image même du type qui a l'air de vivre la vie qu'il a envie d'avoir. Je ne sais pas si c'est absolument exact, parce qu'il y a quand même beaucoup de romans dans tout ça, mais en même temps, chaque fois que je l'entrevois dans une pub ou parfois dans un documentaire, je me dis, ce type est incroyable. Il a vraiment décidé à un moment donné de faire ce qu'il avait envie. Et je trouve que vous êtes un des représentants, je suis désolé de le dire comme ça, moi qui suis un ancien 68ard, un des représentants les plus authentiques de l'esprit 68, même si vous n'avez pas été militant, parce que vous montrez quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est à quel point les gens de cette génération avaient envie d'être heureux. Et je crois que vous, vous avez réussi. C'est vrai, on parle souvent d'une... On a parlé d'une parenthèse enchantée. Moi, la parenthèse, j'ai toujours refusé de la refermer. Quoi. Jérémy Michalak. Bah, j'ai appris plein de choses parce que Antoine, pour moi, c'était effectivement la publicité pour les lunettes. C'était bien sûr les élucubrations. Et j'ai découvert toute votre histoire, tout votre parcours jusqu'à ce succès, des anecdotes incroyables. Notamment, la première fois que vous avez chanté sur scène les élucubrations, c'était à la Loco. Oui, à la Loco. La porte à côté. Ici même. La oui. porte qui est collée à ce studio ah, ici. Ah oui, oui, c'est la première. Vous racontez une histoire rigolote aussi avec Keith Richards qui a squatté. Keith Richards, qui est le guitariste des Rolling Stones, qui a squatté votre chambre d'hôtel à Marseille, je crois. Vous l'avez retrouvé dans votre lit. Voilà, j'ai retrouvé. C'est pas arrivé à beaucoup de monde d'avoir un Rolling Stone dans son lit. Ouais, ça c'est sûr. Et puis, il y a un truc qui est étonnant au-delà des anecdotes dans ce bouquin, c'est que vous parlez vachement de sexe. C'est-à-dire que vous vous livrez vraiment, vous racontez plein de trucs, et notamment quand vous étiez plus jeune, vous parlez beaucoup de masturbation. Oui, parce que... c'est un truc qui vous travaillait pas mal, quasiment toutes les deux pages, ça vous occupait sûrement l'esprit et les mains aussi. Et comme on dit que ça rend sourd, je me demandais si c'est pour ça que dans la pub vous criez si fort. C'est pour ça. C'est exactement. Pardon, vous disiez ? Non, rien du tout. Isabelle Alonso a lui aussi. Oh, yeah. Dis donc, on n'est pas rancuniers, nous autres, ici? Oui, pourquoi? Hein, parce que je lis un truc, là, dans votre livre, ça dit comme ça. Les animateurs d'émissions de télévision et de radio n'ont pas encore, on parle des années 60, n'ont pas encore, comme aujourd'hui, pris l'habitude d'agresser en permanence tous les artistes, s'entourant pour les aider en cela d'une équipe de chroniqueurs. Prends ça dans ta gueule, Gérard. Souvent des clampins lamentables qui n'ont jamais rien fait de leur vie que recevoir des chèques hebdomadaires des chaînes de radio ou de télévision pour agresser les vrais créateurs, ça c'est vous, qui ont malheureusement besoin de passer dans ces émissions. Mon pauvre Antoine, voilà que vous avez besoin de passer devant cette bande de clampins lamentables. C'est vrai. Alors, non, bon, non, il parlait des autres émissions. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Ah, voilà. Il n'y a pas de clampins ici, ça se saurait. C'est un petit coup de gueule que j'ai lancé de mon île déserte et tout, mais qui ne concernait pas du tout vos chroniqueurs, qui d'ailleurs ont beaucoup de talent. D'ailleurs, je sais qu'une des chroniqueuses de chez vous qui n'est pas là maintenant encore, Isabelle Mergault, qui a eu récemment un César. Donc, en fait, ici, c'est une pépinière de talent. Voilà, regardez la petite jeune là au milieu. Eh ben... Moi, je voudrais dire quelque chose, Antoine. Merci, tu m'as pourri 5 ans de ma vie avec un de mes fils. Alors, pourquoi? Mais pourri, parce que les cheveux longs. Et moi, toute la journée, Martin va te faire couper les cheveux. Rien, rien, rien à faire. Et au bout de 5 ans, je ne lui parlais que de ça, j'avais une fixette. Il revient, les cheveux coupés. Et je suis restée des mois sans lui parler, j'avais plus rien à lui dire. Elsa Fayère. Oui. Alors moi, évidemment, les gens de ma génération se sont... Enfin, moi, je vous ai découvert grâce à la pub des opticiens, même si je connaissais déjà un petit peu les élucubrations. Mis à part ça, je trouve quand même que de 0 à 30 ans, vous avez fait un livre de souvenirs, vous pourriez avoir un nouveau contrat publicitaire pour les aides-mémoires. Parce que quand même, 450 pages de souvenirs de 0 à 30 ans, c'est quand même fantastique. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Ben, c'est vrai. Vous aviez tout noté, vous aviez préparé le coup De l'instant où je suis parti en bateau, il y a bientôt 35 ans, j'ai commencé à noter, à me rappeler tout ça. Et j'ai écrit des milliers de pages qui n'ont jamais été publiées et qui m'ont servi de relais. Quoi. C'est vrai que ces aventures, toute cette période du show business, avec toutes ces aventures où j'ai rencontré Johnny, bien sûr, l'aventure, la guéguerre avec Johnny, mais Dali, Warhol, Brigitte Bardot, Dalida, plein de gens. Vous nous racontez une anecdote avec Dalida. Elle se serait offerte à vous et vous l'auriez plantée là parce que sa peau n'était non, pas. Non, c'est très. La façon dont vous le dites est très laide. C'est pas mieux dire. Si, c'est vrai. J'avais une très grande admiration et une grande amitié pour Dalida. Et c'est vrai que nous étions en tournée, une tournée très éprouvante en Italie. C'était un peu la télé-réalité. Bien avant l'heure où on était en train de faire toute l'Italie et faire des spectacles où on prenait un bide tous les soirs, elle et moi. Et un soir... Vous aviez un ticket. Un soir de détresse, pas de déprime, et ben on s'est appuyé là, chacun sur l'épaule de l'autre, et puis... mais ça n'est pas allé très loin, je raconte que...
que c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que Dalida était une personne adorable et admirable, mais qui avait des problèmes. Elle avait essayé de se suicider. Elle avait, elle était. Elle a réussi. Si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis depuis. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et c'est, ça fait partie des. J'espère que personne ne sera choqué des anecdotes que je raconte dans ce livre. Non, il n'y a rien avec, de très, très choquant. Avec des personnes comme celle-là, parce que vraiment, c'est des instants importants. Et si vous blaguez, par exemple, vous parlez de la masturbation, qui est une chose tout à fait normale, comme dit Lio, que je cite, c'est une activité très hygiénique et très saine que je recommande chaleureusement. Elle vous a même donné le nom de sa chanson pour votre bateau. Oui, Banana Split. Si je raconte toutes ces choses-là, c'est que. Parle de Lio, pas de Dalida. J'ai évidemment la sensation que chaque minute de la vie, c'est pas M. Médard qui me dira le contraire, chaque minute de la vie, de la jeunesse, de l'adolescence et tout, peut servir à comprendre pourquoi un jour on fait tel ou tel choix, pourquoi on prend un chemin un peu différent, quoi. Alors, quand je parle, si je me, par moment je me tiens un peu nu devant le lecteur, c'est pas par exhibitionnisme, c'est pas non plus pour faire l'étalage de mes succès, de mes bonnes fortunes. C'est simplement parce que je crois que ça fait partie de l'explication du mode d'emploi, quoi. Maman. Mais moi, j'étais vraiment étonné parce que je me suis rendu compte qu'on avait un point en commun. Et c'est la première partie de ce livre qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'enfance. Et j'ai découvert que vous avez passé votre enfance au Cameroun. Oui. Et 20 ou 30 ans après, moi, j'ai passé mon enfance dans le même quartier, Bastos. À Bastos, le lycée Leclerc, pareil. Et ma grand-mère qui est restée au Cameroun, elle m'a dit, quand tu verras Antoine, dis-lui de me ramener mes rideaux. Et voilà, ils sont là. Elsa. Ce qui m'épate, c'est vraiment cette relation avec Johnny. Vous étiez fan de Johnny Hallyday avant de chanter. Mais alors pourquoi est-ce que quand vous êtes arrivé, vous avez eu un premier succès, pourquoi vous avez eu envie comme ça de détruire cette icône? Pas détruire du tout. Au contraire, moi, ma phrase était plutôt louangeuse. C'était, ça serait marrant qu'il y ait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cajamé de rano. Mais c'était pas du tout. L'entourage de Johnny Hallyday le prenait plutôt mal. Ils lui ont dit, va falloir que tu réagisses un petit peu. C'est Carlos qui vous a chauffé, il paraît. La première fois. Non, c'est Carlos qui a chauffé Johnny. Oui, c'est Carlos qui a. Il était jaloux des chemises. Il n'en avait pas encore à l'époque. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Johnny, Johnny m'a dit j'adore ta chanson. Et regarde, il avait une chemise à fleurs. C'était dans les années 66. Et puis après, toute cette guéguerre, mais c'est pas très important. Non, c'est pas très important. J'ai toujours une grande admiration pour Johnny, sa longévité. Par contre, il voulait partir en bateau. Il m'a demandé souvent des conseils, mais il n'a jamais pris le bon bateau qu'il fallait pour partir aussi, il est pas aussi librement que je voulais. Après, il faut trouver les hôtesses qui veulent bien monter sur le bateau. C'est peut-être. Vous n'en ratez pas une. La peau de banane. Il y a deux façons d'en savoir plus sur Antoine. C'est évidemment de lire ce livre, Oyez, paru chez Artaud. Rien à voir avec Florence Artaud. Si, l'éditeur était le papa de Florence Artaud. Ben voilà, voilà. Okay, l'éditeur au départ était le papa. On s'y retrouve toujours. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et l'autre façon d'en savoir plus sur Antoine, c'est d'écouter Mustapha et la Tracy. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir Mustapha, comment ça va? Très bien, très bien. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire bravo. Je tenais à vous féliciter parce que vous êtes quand même celui qui a le mieux réussi parmi tous les gagnants de Koh-Lanta. Oui. Vraiment. J'ai pas mangé les oiseaux. Non, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, j'étais juste venu vous dire que vous me devez un peu de fric parce qu'en fait, quand j'ai su que je devais faire votre portrait, je suis allé chercher les informations sur vous sur Internet et j'ai essayé d'imprimer une photo de vous, mais à cause de votre chemise, j'ai plus d'encre couleur dans mon imprimante. Et ça serait bien de me rendre mon truc. Ben c'est vrai qu'il a des tenues incroyables. Ouais, il paraît même qu'ils servent de vos chemises pour régler les télévisions dans les magasins. Même Gilbert Montagnier trouve qu'il y a beaucoup trop de couleurs sur votre chemise. Toujours qu'avec vos chemises et vos dents blanches, il paraît que vous êtes la seule chose qu'on peut voir de l'espace avec la muraille de Chine. C'est vrai. Et c'est vrai que pour les jeunes, comme Mustapha, qui ne connaissent pas forcément votre parcours et vos premières chansons, vous êtes celui qui fait de la pub aussi, il faut bien dire. Ouais, vous faites de la pub pour les opticiens et votre technique est bien rodée parce que depuis que j'ai vu votre chemise de face, maintenant moi aussi je porte des lunettes. Donc ça marche très bien, c'est une très bonne technique. Donc aussi j'ai vu un reportage animalier qui disait que vous étiez le mec le plus détesté par les caméléons à cause de votre chemise. Qui en fait une dépression nerveuse. Alors c'est qu'Antoine a l'air farfelu comme ça, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. Oui. Ah, prenez-en de la graine, tiens. Exactement. Vous avez fait Centrale, vous avez même eu votre diplôme d'ingénieur. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait forcément être très intelligent pour faire croire à tout le monde que voyager en bateau dans les îles, c'était un taf.
C'était comment? Un taf, un métier, un travail. Un taf, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est un taf, c'est un taf. J'ai beaucoup de taf, alors, moi. À l'heure actuelle, j'ai exercé 27 tafs différents. Bravo. 27 tafs différents, depuis photographe, chanteur, animateur, etc. Et tout. Et glandeur. Et glandeur, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. D'accord, mais je le sais bien. Votre métier, c'est ça, à partir d'île en île. Moi, au début, je croyais que vous étiez un gitan milliardaire. Je suis un milliardaire, non, mais je suis un gitan des mers, oui. C'est vrai que j'adore travailler et je voyage beaucoup, je filme énormément. Je suis en train de préparer toute une série de films et je ne pourrais pas rester plus de 5 minutes dans un hamac. Alors, l'image du glandeur, je l'aime bien, elle me déplaît pas. Mais c'est vrai que le monde comme est. Tous les faux paresseux. Le monde est tellement merveilleux, il y a tellement de choses à faire, en particulier avec les technologies modernes. Moi, j'adore. Je tourne en haute définition, j'adore Internet, j'adore tout ce qui est. Vous adorez parler. Et j'adore parler. Vous ne m'arrêterez pas. Mais ça barbe alors. Alors moi, la première fois que je vous ai vu avec votre barbe, je me suis dit, tiens, Al-Qaïda a ouvert une cellule en France. Non, je l'ai bien nettoyé pour vous. Là, j'ai pas l'air de trop de Ben Laden ni de. Non, heureusement que vous ne faites pas d'avion, hein. Oui. Ben moi, j'ai un cousin qui travaille à la douane et il m'a expliqué qu'on cataloguait les barbus dans deux cases. Alors il y a les barbus en gilet bas, méchants, terroristes, et les barbus en chemise à fleurs. Et ceux-là, on leur sourit. Ah oui, très bien. Ouais, alors moi, je me dis que quand on voit certaines chansons de Carlos, on se dit que c'est quand même un peu du terrorisme quelque part. Il y a un terroriste qui s'appelle Carlos aussi. Et sinon, je ne sais pas si vous le saviez, vous avez deux points communs avec un de nos chroniqueurs, Gérard Miller. Ah. Ouais, vous faites des voyages, lui fait faire des voyages à des patients, tout ça. Et le deuxième point commun, c'est votre goût de chiottes au niveau vestimentaire. Hein. Voilà, je vois que Jérémy Michalak vous a rejoint aussi. Je suis parti du club, j'ai pris ma carte. Ça serait bien que tu viennes avec tes bras la prochaine fois, juste ton polo. Ah, mais c'est bien. Ravis du pack. Alors moi, depuis le temps, je me demande juste combien de miles vous avez accumulé avec tous les allers-retours que vous avez fait. Oui. Et je me dis qu'en fait, vous êtes pour Air France un peu ce que Jean-Jacques Goldman est à la SACEM, oui. La cause possible d'une faillite. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Mustapha et la Trachis. Oh yeah, c'est chez Artaud Édition. Restez avec nous pour jouer au kick avec qui ? Kick avec quoi ? Ça pourrait être le titre d'une chanson d'emploi. On regarde très vite le classement. Sur le plateau, vous n'avez pas les meilleurs ce soir. Mais Elsa est dans la bonne moyenne. Jérémy, on va dire la talonne. Et puis dans le bas du classement, vous retrouverez essentiellement Claude Sarraute qui a besoin d'aide. Maman, Isabelle Alonso, Gérard Miller. Voici la première photo. De quoi s'agit-il ? 1000 points. Il s'agit... des ostéopathes. Alors oui, allez-y. Bien joué. C'est des ostéopathes qui ont manifesté contre leurs conditions. Excellente réponse, 1000 points pour Maman. Le symbole des ostéopathes. C'est pas une contrepétrie, ça, les ostéopathes. Non, ostéopathes, non, ils manifestent parce qu'ils veulent que les huîtres soient. Les ostéopathes, ah non, je confonds. Ils veulent qu'ils rentrent. J'ai fait exprès, enfin. Alors, quand même. Photo suivante. Ah, c'est une maquette. Ça, c'est un hôtel sur la Lune. Oh, est-ce que ça serait pas le Louvre à Abu Dhabi qui va ressembler à ça? Bravo, un point pour Jérémy Michalak. Ça vaut plus. Je croyais que c'était un grand longueur, moi. Bon, allez, parce que c'est vous, deux points. Ah, c'est un mieux. Merci. Photo suivante. Noël Copin. Noël Copin, oui, le fondateur. C'est Maman qui l'a dit en premier. Noël Copin, qui était rédacteur en chef de La Croix, médiateur, qui est décédé ce week-end. Excellente réponse, ça vaut bien 500 points. Photo suivante. Ah, je sais, c'est un joueur de foot de Montsolémine qui travaille dans un McDo. Excellente réponse, ça vaut bien 2000 points, Isabelle. Ah, oui. Même en tournant, j'arrive à rien, moi, alors. Isabelle, en vrai, quand hier, t'as vu la photo dans le JDD, tu t'es dit, il va la poser lundi, la question. Toi aussi. Il y a un peu de ça. Oui, moi aussi, je me suis dit ça. Allez, comme ça, je donne les points d'abord avant la photo, comme ça, il n'y aura pas de triche, voilà, pas de favoritisme. On va dire 10 000 points si vous me dites qui est cette dame. C'est la fée clochette. Margaret Kerry. Non, elle s'appelle Margaret Kerry, c'est la fée clochette. En plus, il sait son nom, il a dit qu'elle s'appelait Margaret Kerry. Et c'est elle qui a servi de modèle à la fée clochette. 10 000 points pour Jérémy Michalak. Alors. Bah alors, Gérard, toujours rien. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a, bon, allez? Je suis prêt à trouver la prochaine photo. Oui, mais c'était la dernière, Gérard. Yeah. Le livre de souvenirs d'Antoine, merci d'être passé par chez nous. Merci d'avoir accueilli. Alors tout le monde, oh yeah, voilà. Bye bye, à demain.